Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata. Well J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau webinaire euh, traitant sur les divergences et plus précisément sur la détection des divergences les plus performantes. Euh, donc je vous remercie tous et toutes euh, de votre participation. Euh, si vous souhaitez être actif, me poser des questions euh, durant euh, ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat. Euh, J'essaierai de répondre au fur et à mesure euh, à l'ensemble des questions. Je m'en voulais pas il si, euh, y en a certaines. Euh, qui passe de côté, n'hésitez pas à la remettre dans le chat pour que, pour que je puisse y répondre. Euh, donc nous allons rentrer dans le vif de, du sujet, euh, dans le thème qui vous intéresse, euh, les divergences. Donc pour euh, aborder le thème des divergences, nous, allez, nous allons rentrer euh, sur le logiciel Wallmaster. Euh, Qu'est-ce que le Wallmaster Le logiciel Wallmaster est une licence que vous installez sur votre ordinateur. Vous l'installez sur plusieurs ordinateurs également. C'est une licence qui vous appartient, vous en êtes propriétaire, euh, et c'est l'outil d'aide à la décision qui va réunir tous les éléments, tous les outils dont vous avez besoin pour prendre vos décisions sur les marchés, en gagnant du temps dans vos analyses, en économisant votre énergie et en protégeant votre capital. On ne va pas se voiler la face. Euh, si vous êtes là aujourd'hui, si vous suivez Wildata, euh, si vous êtes déjà client Wildata, déjà je vous remercie de, de la confiance que vous nous apportez. Euh, C'est que vous avez euh, un capital à faire fructifier et que vous voulez faire ça euh, de la façon la plus euh, sécurisante possible. Alors, qu'est-ce qu'une divergence est-ce que vous savez déjà ce qui est une divergence Parce que dans le milieu boursier, dans l'analyse technique, qui je le rappelle, euh, est, euh, est l'outil le, le, le plus utilisé euh, en bourse aujourd'hui, euh, l'analyse technique est le seul élément qui va vous donner le timing d'intervention. Le timing, c'est-à-dire savoir quand entrer sur une position et savoir quand en sortir. Pour tirer le maximum de profit sur, euh, sur les prises de position que vous allez pouvoir euh, mettre en place dans vos portefeuilles boursiers. Donc, pourquoi Qu'est-ce qu'une divergence Pourquoi ce terme est si fréquemment utilisé Est-ce que certains d'entre vous l'appliquent déjà euh, Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc, la divergence, en fait, c'est euh, le moyen euh, le plus fort c'est l'élément le plus fort en analyse technique pour détecter un retournement de tendance. Ce signal est extrêmement puissant, c'est-à-dire que quand il y a une divergence sur une valeur, il faut s'y intéresser parce que le cours euh, risque de passer à la hausse ou de repasser à la baisse. Donc j'espère que pour l'instant vous me suivez, que le son est toujours bon euh, et que vous allez apprendre plein de choses. Donc une divergence, c'est quoi exactement Au-delà d'être le signal le plus fort en analyse technique pour détecter un renversement de tendance, à la hausse ou à la baisse, comment va se matérialiser une divergence Une divergence, c'est très simple. C'est à un moment donné, et sur la même période de temps, un indicateur qui va aller dans un sens, et le cours, sur la même période de temps, qui va aller dans l'autre sens. On dit qu'il y a une divergence. On va le regarder sur le graphique. Donc par exemple, ici à ce moment-là, on a l'indicateur qui va dans un sens, euh, l'indicateur qui va dans un sens et le cours qui va dans un autre sens. C'est la même chose ici, on a ici l'indicateur qui part à la hausse et sur la même période le cours qui lui va à la baisse. Donc là, on dit qu'il y a une divergence. Comment détecter et différencier une divergence haussière d'une divergence baissière C'est très simple. Quand le cours baisse et l'indicateur monte, on parle de divergence haussière. On a le même cas ici. Le cours baisse, l'indicateur monte, on a une divergence haussière. Quand à l'inverse, on a le cours ici qui monte et l'indicateur qui baisse, on a là une divergence baissière. Donc on pourrait s'amuser à faire défiler toutes les valeurs du SRD les unes derrière les autres pour essayer de détecter les divergences. On peut essayer de savoir ici s'il si y a des, eu des divergences dans le passé sur ces valeurs et s'amuser à tracer si toutefois on arrive à bien les détecter, si on a le temps pour le faire de les tracer. Sinon, vous pouvez aussi utiliser... La force de Wall l'exclusivité, le Market Analyzer, qui va vous les détecter automatiquement. Donc là, vous pouvez voir que sur cette valeur, sur Orange, on a une divergence baissière à un moment donné. Sur Sodexo, ici, on a une belle divergence haussière au mois d'octobre. D'ailleurs, la plus value a été assez intéressante. Donc, plutôt que de faire défiler les valeurs, les unes derrière les autres, ce qu'on pourrait très bien Réduire le Market Analyzer. Voilà. Se contenter de la liste des valeurs et essayer de chercher par ses propres moyens s'il si y a une divergence avec un indicateur technique. Ça vous permettrait de détecter des retournements de tendance. Là, je viens de fermer le Market Analyzer, de le réduire, mais vous avez bien vu que dans le Wallmaster, ou plutôt Wallmaster, vous pouvez... Permet d'installer une méthode complémentaire qui s'appelle les divergences pro. Euh, certains d'entre vous l'ont déjà, j'en suis persuadé, parce que c'est la méthode euh, de référence chez Wildata. Euh, c'est vraiment un gros plus dans cette méthode. On est les seuls à le faire et Wildata est plutôt fier euh, de l'aboutissement de cette méthode, dans le sens où euh, la méthode des divergences va vous scanner un marché complet. Donc là, on a vu le SRD, mais vous pouvez très bien scanner tout autre marché euh, ça peut être également une liste personnelle un portefeuille un marché étranger euh, les indices internationaux le forex les cryptos enfin n'importe quelle euh, liste d'actifs sur n'importe quelle période de temps dans le webinaire là je vais utiliser la période un jour deux ans qui correspond plutôt à du swing trading c'est-à-dire de la prise de position sur quelques jours euh, à quelques semaines euh, pour profiter des mouvements du marché mais chacun va pouvoir choisir euh, le timing qui correspond à son profil. Est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez mieux Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui me dit qu'il m'entend de loin Mais est-ce que vous m'entendez bien N'hésitez pas à me, le, à me le remettre dans le chat. Hein. Euh, donc, euh, le Market Analyzer va détecter automatiquement les valeurs euh, sur lesquelles il va y avoir une divergence. Donc, il y a un code couleur assez intuitif euh, qui est le vert qui indique la divergence haussière et le rouge qui indique la divergence baissière. D'accord Donc, on va s'intéresser à une valeur, par exemple, on va prendre ici la valeur Arkema. Mais l'analyse se fait de la même façon quelle que soit la valeur que vous allez sélectionner. Donc, déjà, on voit que sur Arkema ici, on a le mot new. New qui signifie nouveau, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un nouveau signal de divergence. Donc, code couleur intuitif sévère, j'en déduis que c'est une divergence haussière. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir depuis combien de temps a lieu la divergence. Donc, ici, on voit qu'elle a lieu depuis deux barres. Donc, deux barres, en fait, veut dire deux périodes. Donc, là, nous sommes en jour. Deux jours. Euh, si vous êtes en heure, ça, correspond... ça correspondrait pardon à deux heures. Si vous êtes en cinq minutes, cela correspondrait à dix minutes. Donc là, vous avez compris le principe. Donc sur Arkema, nouvelle divergence haussière depuis deux jours. Sur quel indicateur est détectée la divergence Parce que oui, tout à l'heure, je vous ai dit, la divergence a lieu quand euh, le cours est à la hausse, par exemple, et au même moment, l'indicateur est à la baisse. Ou inversement, quand l'indicateur est à la hausse sur une période et le cours à la baisse. La force de cette méthode, et c'est là que Wildata euh, dit que euh, cette méthode euh, Divergence Pro est une exclusivité, le Market Analyzer ne va pas se contenter d'analyser un indicateur. Le Market Analyzer ne va pas se contenter d'analyser deux indicateurs, ni trois indicateurs. Le Market Analyzer va détecter de façon simultanée. Quatre indicateurs techniques, donc moi, là, j'ai choisi le RSI, la stochastique, le WTI, qui, je vous le rappelle, est un indicateur propre à Data, un indicateur de tendance qui combine des moyennes mobiles et le Momentum. Bien évidemment, et je vois arriver la question, euh, vous allez me dire OK, mais moi, je ne vais pas utiliser le Momentum, je préfère le MACD. C'est pourquoi vous avez ici une fenêtre de paramétrage et vous pouvez bien évidemment modifier les indicateurs. On vous a sélectionné. Les 10 indicateurs les plus pertinents ici pour détecter les divergences. Et ce qu'il y a de sympa également, c'est que chacun des indicateurs est paramétrable. Donc, quand vous recevez que vous installez les divergences pro, tout est préparamétré par euh, des analystes professionnels de chez Wildata. Maintenant, si vous, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance, vous avez envie de tester de nouvelles choses, vous voulez modifier les indicateurs existants, vous pouvez changer les paramètres de chacun des indicateurs. Et vous pouvez également changer les indicateurs en eux-mêmes. De la même façon, vous pouvez changer la base de calcul, vous pouvez changer la méthode de détection, vous pouvez tout paramétrer. Euh, on n'est pas dans une boîte noire où Aldata vous dit on a l'inscience infuse, on vous donne les divergences, vous suivez, vous ne suivez pas. Non, on vous guide, euh, on vous donne euh, des méthodes prêtes à l'emploi. Mais ces méthodes restent entièrement personnalisables. Donc, si on reprend Arkema, euh, donc la divergence a lieu sur le RSI, la stochastique et le momentum simultanément. Les trois indicateurs sont cochés en vert. Sur le graphique, vous avez pu voir que la divergence est tracée. Imaginez vous devant votre écran, le soir ou dans la journée, peu importe, mais à un moment donné, vous avez du temps, vous mettez devant votre écran. Vous prenez les 148 valeurs qui composent le SRD et vous les faites défiler les unes derrière les autres en checkant 4 indicateurs pour voir s'il y a une divergence. Je vous laisse imaginer le temps de perdu. Là, vous vous concentrez tout de suite sur des valeurs à potentiel. Donc, déjà, ça fait le tri. On passe de je ne sais pas combien, de 148 valeurs plutôt, je le sais, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 valeurs. Peut-être en dessous, on va dire une, une petite trentaine de valeurs. Donc, on a déjà bien fait le tri pour s'orienter sur, sur des valeurs à potentiel. Donc, on reprend Arkema. Arkema. On a une divergence depuis deux jours. On voit bien, elle est tracée sur le graphique. Elle a lieu sur le W, euh, elle a lieu sur le RSI, stochastique et momentum. D'accord. Donc, vous le voyez sur le graphique, vous avez l'assistant visuel qui est affiché. En cliquant sur l'indicateur RSI, c'est le RSI qui s'affiche. Si je clique ensuite sur la stochastique, c'est la stochastique qui s'affiche, avec à chaque fois le tracé au niveau de la divergence. Et la même chose pour le momentum. Donc vous n'avez plus à le faire. Le Wallmaster et la méthode des divergences pro le fait à votre place. Ensuite, euh, OK, donc on vous a donné le sens de la divergence, sur quel indicateur il y a la divergence, depuis combien de temps il y a la divergence. Vous avez déjà quatre informations de données. Vous avez également l'évolution depuis la divergence. Donc là, en l'occurrence, 2,38 Donc c'est pas mal en deux jours. Maintenant, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas Est-ce que vous vous rentrez sur cette valeur ou pas Pour répondre à cette question, on va aller regarder déjà le money management. Qu'est-ce que le money management Pour moi et pour beaucoup, le money management est indispensable en bourse. C'est comme si que vous traversiez la rue, c'est comme si que vous montiez en voiture, mais que vous ne respectiez pas de règles. Si vous êtes dans la rue et que vous voulez traverser sans vous mettre au passage, au passage piéton, sans attendre que le feu se mette au rouge pour les véhicules, sans attendre que le petit bonhomme s'affiche au vert et sans tourner la tête, bah vous risquez l'accident. De la même façon que quand vous vous mettez dans votre, vous mettez, euh, dans votre voiture, euh, vous mettez votre ceinture, vous respectez une règle, vous vous arrêtez au feu rouge, vous respectez une deuxième règle. Enfin, vous mettez tous les éléments en votre possession en, en marche pour assurer votre sécurité. En bourse, c'est pareil. Si vous respectez des règles de money management, bah vous vous sécurisez, vous protégez au maximum vos positions et donc votre capital. Donc, le money management est intégré dans cette méthode. Et c'est vraiment un élément à part entière. C'est vraiment. Euh, comment dire, hyper important de le suivre, ce Money Management. Comment il est représenté Il est représenté avec les ronds lumineux. Vert, jaune et rouge. Donc ici, en haut du Market Analyzer, dans la colonne Détection de divergence, vous avez un onglet, une, une icône qui représente le sigle euro. Vous pouvez rentrer la taille de votre compte. La méthode part du principe, mais c'est modifiable encore une fois qu'une position ne doit pas dépasser 5% de la taille de votre compte pour ne pas vous handicaper. Vous pouvez également rentrer vos frais de courtage. L'objectif, parce que le money management, c'est le fait de définir des objectifs et des stops pour protéger chacune des positions. L'objectif est là, euh, et par défaut, le retracement de Fibonacci à 50%, c'est la ligne bleue que vous voyez sur le graphique. Vous pouvez bien évidemment être plus ou moins gourmand en fonction de votre profil, en fonction de vos envies. Et le stop qui est glissant, qui va évoluer avec le cours, euh, et que vous retrouvez en rouge visuellement sur le graphique, est euh, basé sur le plus haut ou le plus bas euh, de, des cinq dernières périodes. Bien évidemment, tout ça, c'est modifiable, et vous y avez accès. Donc là, par exemple, sur euh, Arkema, le money management n'est pas bon. D'ailleurs, on va lire la stratégie et le money management parce qu'encore une fois, vous lisez un market analyzer comme un livre ouvert. Donc, on a vu qu'on avait une nouvelle divergence haussière sur trois indicateurs simultanément. Depuis deux jours, on a une évolution de 2,38%. Au niveau du money management, ça donne quoi Pour que la position soit optimale, il faudrait en acquérir 58, ce qui représente 4990,32 euros, soit 5% de votre compte. Les frais, euh, aller-retour 10,267 euros. On a un point mort à 86,217. Donc l'objectif de cours aujourd'hui, il est défini sur la ligne bleue, donc les 50% de Fibonacci, à 90,97 euros. Donc avec un gain net espéré, si la valeur touche l'objectif, vous pouvez espérer gagner 275,67 euros. Ce qui représente à peu près et 5, 5,5%. Le stop, il est à 83 et quelques. Vous pouvez perdre sur cette position, si ça ne va pas dans le sens escompté, s'il y a un rebond sur le marché, euh, un peu plus de 183 euros. Donc là, on a un ratio risque-reward qui est inacceptable, c'est-à-dire que le gain espéré par, la, par rapport à la perte possible euh, n'est pas intéressant. Si on regarde ici la valeur orange, euh, ou la valeur casino, enfin quelle que soit la valeur ici. On va prendre orange. Ici, euh, le Money Management vous dit que vous pouvez acquérir 383 titres, ce qui fait un montant engagé d'à peu près 5%, à, 5 000, à 4 994 euros. Le gain net espéré est de 386 euros. La perte, elle, n'est que de 75 euros. Donc là, on a un risque-reward excellent. Vous l'avez bien compris. Donc, cette méthode va vraiment vous guider euh, sur des valeurs à potentiel qui sont intéressantes ou pas en fonction du capital euh, que vous avez d'engager sur le marché. Vous avez également une deuxième colonne qui est non négligeable et qui est même très intéressante, c'est la validation de la divergence. Plus vous avez d'indicateurs qui valident la divergence, bah plus la divergence est intéressante. Tout simplement. Vous voyez également des icônes par exemple ici sur safran on a une espèce de cible avec des flèches à l'intérieur si je mets ma souris dessus j'ai un atessence qui s'affiche je vais le lire votre objectif de cours a été atteint toutefois conformément aux règles de l'analyse technique la divergence reste valide et donc reste affichée dans le market analyzer ce n'est pas parce que l'objectif a été atteint qu'on doit forcément que vous devez sortir forcément de la position vous pouvez serrer votre stop vous pouvez utiliser euh, peut-être, je ne sais pas moi, les supports, les résistances ou toute autre méthode ou euh, outil que vous appréciez, que vous utilisez pour optimiser votre position. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur Sa France, ce qu'on peut dire, c'est que la divergence a été détectée par euh, la méthode Divergence Pro de votre Wallmaster en date du 8 janvier. Donc on le voit bien ici, 15 périodes. Euh, tous ceux qui sont rentrés. Quand, la valeur a été déte... quand le signal a été détecté le 8 janvier, euh, vous gagnez plus de... Alors plus de combien Je suis où Sur ça, plus de 8% D'accord. La divergence, elle a eu lieu avec le momentum. Donc là, il n'y a plus de stratégie de money management parce que l'objectif a été atteint et on a encore deux indicateurs qui valident la divergence. Donc là, on peut dire que sur 15 jours, gagner 8%, c'est plutôt très intéressant. On peut faire l'analyse en sens inverse. Là, par exemple, on a les divergences baissières. Et si on prend, par exemple, ici euh, la valeur euh, Schlumberger, qui a été détectée à la baisse en date du 8 janvier, c'est une valeur qui a perdu pratiquement 15%. Donc pour tous ceux qui font de la, la vente à découvert, il y avait 15% à gagner. Pour ceux qui vont me répondre dans quelques secondes... Dans le chat, je sens arriver la question, je ne fais pas de vente à découvert, donc les divergences baissières ne me servent pas. Si, vous pouvez très bien rentrer les valeurs que vous avez en portefeuille, travailler sur une liste personnelle. Et euh, dès que vous avez une de vos valeurs en portefeuille sur laquelle il y a un signal de divergence baissière, vous pouvez vous dire, bah, attention, là j'ai un premier signal de retournement baissier. Alors bien évidemment, vous pouvez, euh, vous pouvez mettre plusieurs critères. Ces critères, euh, également les divergences, vous pouvez très bien rajouter la colonne détection de divergence une deuxième fois, une troisième fois, en cliquant ici sur ajouter une colonne. Il suffit de cliquer sur divergence, divergence, si je vais à la fin du mot, ça serait mieux, euh, pro. Vous prenez la colonne divergence pro, détection du signal, on l'ouvre, je vais le faire, et vous pouvez, par exemple, afficher les divergences. En un jour avec les divergences en 5 minutes, en 15 minutes, en une heure, en quatre heures, en une semaine. Tous les retracements de Fibonacci sont affichés sur le graphique. Donc, dans la méthode, vous choisissez qu'un stop, enfin, vous choisissez, vous avez qu'un paramètre de stop et vous avez un paramètre d'objectif. Donc, c'est à dire que si vous avez quatre divergences qui apparaissent dans le market analyzer et que vous avez décidé que c'était les 50% de Fibonacci, l'objectif va être de 50% de Fibonacci pour les quatre valeurs. Si vous voulez les modifier, vu qu'ils sont tracés directement sur le graphique, vous pouvez euh, les mettre sous alerte, c'est-à-dire un clic droit, euh, placer une alerte sur la valeur, et vous pouvez décider de mettre une alerte sur les autres niveaux de Fibonacci, bien évidemment. Donc là, on peut, bien évidemment, modifier les périodes dans le market analyzer pour faire du multi période de temps. Et puis si on a fait une bêtise et qu'on ne veut pas finalement remettre cette colonne, on peut la supprimer si on souhaite et retravailler sur une unique période de temps. Donc vous avez vu que le Market analyzer, alors ça c'est indéniable. Euh, C'est le seul outil qui existe aujourd'hui qui va vous permettre de détecter automatiquement les divergences haussières, les divergences baissières, qui va vous les tracer sur le graphique. Vous avez bien évidemment, vous l'avez compris, un code couleur intuitif, vert pour la divergence haussière, rouge pour le retournement baissier. Euh, donc quatre indicateurs simultanément que vous pouvez paramétrer individuellement, que vous pouvez changer également dans les paramétrages. Euh, vous pouvez décider également d'appliquer des filtres hein, dans, ces, euh, dans ces Market analyzer. Par exemple ici je vais décider d'afficher uniquement euh, toutes les valeurs sur lesquelles il y a une divergence haussière. Je fais valider et automatiquement le Market analyzer va se recalculer pour euh, m'afficher vous afficher que les valeurs qui vont répondre aux critères que vous souhaitez voir. Alors, ce que vous définissez dans le Market Analyzer, les objectifs, les stops, je réponds aux questions en même temps, euh, sont modifiables dans les paramètres du Market Analyzer. Vous pouvez également y accéder ici sur l'assistant visuel que vous retrouvez sur le graphique. Mais encore une fois, si vous modifiez pour une valeur, ça va modifier pour l'ensemble des valeurs traitées dans le Market Analyzer, enfin plutôt dans la liste utilisée dans le Market Analyzer. Donc là, on a uniquement euh, réponse à, à mon filtre que j'ai posé tout à l'heure, uniquement les valeurs avec une divergence haussière. Et chose de génial, je ne sais pas si vous le savez, euh, parce que souvent, je me rends compte au téléphone que les utilisateurs ne le savent pas, vous avez ici une cloche, et quand on clique sur cette cloche, toutes les valeurs du Market Analyzer sont sous alerte. Dès qu'il y a une nouvelle divergence, vous êtes alerté. SMS, mail, alerte visuelle ou sonore. Vous ne laisserez plus passer une divergence. Bien évidemment, il faut que euh, le Wallmaster soit allumé pour qu'il réceptionne le flux et que vous puissiez être euh, alerté. Alors, on va revenir aux paramètres du Money Management. J'ai peut-être été trop vite. Donc, là, juste pour finir là, sur les alertes, vous voyez que sur le Market Analyzer. Que les valeurs sont sous alerte, c'est l'icône qui va vous faire comprendre que le market analyzer dans sa globalité a été mis sous alerte. D'accord euh, Vous me posez la question du money management. Ici, alors, on va reprendre. Dans. Vous avez une colonne qui s'appelle détection de la divergence. Ici, il y a trois icônes. La première icône, c'est pour mettre le, le market analyzer sous alerte et détecter automatiquement et d'être alerté quand une nouvelle divergence apparaît. Deuxième paramètre, les paramètres généraux. Donc de base, ils sont très bien paramétrés. Ce sont des professionnels, des analystes du marché qui les ont paramétrés, qui ont choisi les quatre indicateurs, qui ont paramétré euh, les euh, indicateurs individuellement, euh, qui ont util... enfin, choisi la base de calcul des swings, qui ont choisi la méthode de détection et autres. Bien évidemment, tout est modifiable. Votre expérience, vos connaissances peuvent vous permettre de dire bah moi le RSI tel qu'il est il est bien 14 mais je préfère je sais pas un RSI 7 ou autre vous pouvez tout modifier vous pouvez revenir en arrière et les modifier bien évidemment euh, et vous pouvez également paramétrer et adapter le money management vous devez d'ailleurs le faire mettre la taille de votre, de votre compte au départ et après vous pouvez bien évidemment décider qu'une position ne doit pas dépasser 10% plutôt que 5% euh, vous pouvez vous dire, bah, moi, le retracement de Fibonacci à 50, c'est pas assez, je vais se à 61,8, ou c'est trop, je préfère me contenter de 23,6. Et le stop, pareil, là, il est à 5 périodes glissantes. Vous pouvez, bien évidemment, être plus ou moins gourmand euh, et choisir vous-même vos propres paramètres. Alors juste une petite pause pour lire les questions, il y en a eu pas mal qui sont arrivées. Euh... Une petite seconde. Euh, donc, les money management, on l'a vu. Les indicateurs, on les a vus. Les paramètres par défaut sur les indicateurs sont les plus optimisés. Oui, par rapport aux professionnels. C'est les choses les plus fréquemment utilisées. Ils sont bien paramétrés. Maintenant, comme je le dis, je me répète, si vous avez vos propres paramètres ou si vous avez un copain qui vous dit, bah moi, j'ai utilisé ces paramètres et c'est encore mieux, n'hésitez pas à les modifier. De toute façon, vous pouvez même faire du fictif. Dans le Wallmaster, vous avez des portefeuilles fictifs. Rien ne vous empêche euh, de tester une stratégie sur quelques jours ou quelques semaines et puis voir celle qui vous rapporte le plus. Vous êtes alerté par téléphone, par SMS. En fait, vous recevez un SMS. Vous pouvez être alerté par email, euh, par une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher à l'écran ou par une sonnerie. Donc, euh, je pense que parmi euh, ces choix-là, chacun y trouvera son compte. Bien évidemment, le Wallmaster doit être en fonctionnement. Je prends souvent l'exemple du téléphone portable. Euh, vous avez votre téléphone, s'il si n'est pas allumé, si vous l'avez éteint, vous ne recevez ni appel ni SMS. Quand vous rallumez votre téléphone, vous recevez là la liste des appels manqués et les, les SMS que l'on a pu vous envoyer au moment où le téléphone était éteint. Donc, oui, pour être alerté, il faut que le Wallmaster réceptionne le flux. Donc, il doit être ouvert. Donc là, je pense que vous avez bien compris euh, le système de la divergence. Vous l'avez vu, c'est une méthode qui fonctionne super bien. Euh, si on regarde les signaux, si on regarde les historiques de signaux, parce qu'en plus, on ne vous cache rien, les anciennes divergences restent affichées sur le graphique. Et n'oubliez pas que quand vous avez une divergence qui ne va pas dans le bon sens, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas voyant euh, de l'avenir. Ça reste un outil d'aide à la décision, certes puissant, mais ça reste un outil d'aide à la décision. Quand une valeur ne va pas dans le sens escompté, qu'il n'y a pas le retournement euh, que le market analyzer, que l'analyse technique a donné, bah, vous avez toujours le stop qui vous permet de protéger vos positions. Donc, comparer le nombre de valeurs gagnantes au nombre de valeurs perdantes par rapport au pourcentage de gains gagnants et perdants, je suis Quasi convaincu euh, que le ratio sera forcément bon euh, parce que les divergences c'est une méthode testée, approuvée, qui fonctionne. Euh, si je ne me trompe pas, euh, les divergences, euh, j'ai dû intégrer, j'ai intégré Wildata, c'est pas j'ai dû, je le sais. J'ai intégré Wildata en mars, le 1er mars 2006 et si ma mémoire ne me fait pas défaut, les divergences ont dû naître en 2009 ou 2010. Donc, c'est une méthode euh, qui, a, qui a quasi enfin, qui a 10 ans. Euh, c'est la méthode la plus utilisée par nos utilisateurs. Il y a plein de professionnels aujourd'hui euh, qui sont euh, sur les réseaux sociaux, ou qui vous vendent leurs conseils ou autres, qui utilisent euh, la méthode des divergences parce que c'est la seule méthode via Wallmaster euh, qui détecte automatiquement les retournements haussiers et baissiers, mais qui surtout va vous les tracer sur les graphiques, qui va vous garder l'historique tracé sur les graphiques par indicateur. Euh, L'analyse se fait sur quatre indicateurs simultanément. Vous mettez sous alerte. Vous avez le money management d'intégrer et même une colonne de validation. Bien évidemment, vous pouvez rajouter des critères. Par exemple, vous, ok, la divergence, vous êtes convaincu, ça fonctionne. Mais en plus de la divergence, vous souhaitez une certaine configuration en chandelier. En plus, rien de plus simple. On clique sur plus, donc ajouter une colonne. Je tape chandelier. J'ouvre. Donc là, le Market Analyzer va se recalculer. Euh, alors la question sur les divergences, peut-on faire apparaître les divergences que sur des seuils clés que l'on aurait définis et tracés précédemment est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis, s'il vous plaît <laughs> on me donner un exemple, en fait. Donc Le Market Analyzer se recalcule. Et là, par exemple, on a, vous avez une divergence euh, sur euh, CNP Assurance, donc une divergence une nouvelle qui est apparu là deux jours, qui permet déjà enfin, une évolution de gains en fait, hein, de 2,05%. Euh, par rapport au capital que moi j'ai rentré, ce n'est pas très intéressant. Euh, divergence sur le momentum sous alerte. Et ici, vous avez une configuration en doji. Donc qu'est-ce qu'un doji Cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. Donc là, on va attendre le doji suivant, parce que la validation, si lors de la séance suivante, le cours est à la hausse, le retournement de tendance est confirmé et le doji star haussier peut se transformer en étoile du matin doji ou bébé abandonné. Si lors de la séance suivante le cours est à la baisse, le renversement peut être invalidé et la figure n'a pas forcément lieu. Alors, ce que j'ai rajouté dans le market analyzer, vous pouvez également le rajouter sous forme d'assistant visuel sur le graphique. Euh, non, c'est Chandelier. Détection des chandeliers, je rajoute l'assistant, je valide. Alors bien évidemment, vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir déjà euh, cette méthode. Enfin, le Wallmaster et peut-être même euh, cette méthode de travail. Donc là, ça va un petit peu encombrer mon graphique. On va le grossir. Voilà. Donc là, on voit bien le doji dessiné sur le graphique. Euh, je vous disais, oui, vous êtes nombreux aujourd'hui. À, euh, à avoir le Wallmaster. Vous êtes nombreux parmi les utilisateurs Wallmaster à avoir cette méthode et beaucoup d'entre vous la conseillent à d'autres utilisateurs well data, mais vous êtes aussi nombreux à ne pas avoir encore le logiciel et euh, la méthode des divergences. Bien évidemment, vous serez encadré si vous en avez besoin euh, pour que l'on puisse vous mettre en place votre espace de travail. Si vous voulez rajouter euh, des colonnes, des filtres ou des critères supplémentaires, on pourra bien évidemment vous aider. Ça fait partie euh, d'une mission très importante euh, des services well Data. Donc voilà, euh, je pense qu'on a bien déblayé la méthode des divergences. On ne l'a pas vu, mais vous pouvez bien évidemment rajouter sur vos divergences euh, les supports et les résistances. Hein. C'est un autre assistant visuel qui fait partie de votre Wallmaster. Donc chacun va pouvoir affiner ensuite les divergences si vous le souhaitez avec des critères. Donc là, on a pris les chandeliers. On peut prendre également les supports résistances. Enfin, chacun va pouvoir euh, personnaliser au maximum cette méthode si vous en avez envie. On n'est pas dans une boîte noire, encore une fois. Tout est préparamétré. Pour vous faciliter la tâche, pour vous faire gagner du temps, pour vous permettre d'économiser de l'énergie, pour vous permettre de détecter les bonnes valeurs au bon moment. Euh, mais vous pouvez bien évidemment euh, personnaliser les périodes de temps, choisir les marchés ou les listes personnelles sur lesquelles vous souhaitez investir, rajouter des critères si vous le souhaitez, faire du multi période, euh, changer les paramètres euh, de chacun des indicateurs. Donc tout est modulable euh, pour que chacun y trouve son compte et que vous réalisiez chacun euh, et individuellement le maximum de rendement tout en protégeant vos positions avec un stop euh, présent dans cette méthode. Donc on est vraiment sur une méthode complète de la détection du signal jusqu'à la sortie de position qui se fait soit sur un stop, soit sur un objectif. Alors il n'y a pas de, de, de période de temps à privilégier sur les divergences. Euh, les divergences fonctionnent très bien en journalier pour de la détection sur quelques jours. En 4 heures euh, ou en 1 heure, ça va bien fonctionner pour les personnes qui préfèrent de l'intraday. Euh, J'ai un deuxième market analyzer là, que j'avais paramétré en semaine pour ceux qui font de, de l'analyse à plus long terme. Euh, et on peut voir qu'il y a des valeurs. Euh, regardez, Ingineco a été détecté en semaine en date du. Pour quelqu'un qui fait du très long terme et qui, qui a acheté du l'année dernière. Il y a plus de 125%. Euh, on ne pas prendre un cas euh, isolé, mais par exemple, ici, EDF euh, a été détecté en date du 4 novembre, ça fonctionne bien. Euh, 23%. Il y a Thalès, 15%. Euh, JC Deco qui a pris 10%. Euh, si vous aviez les divergences et que vous êtes sorti à l'annonce d'une divergence baissière, si vous aviez du Rémi Cointreau euh, et que vous avez vu la divergence en date du 9 septembre, vous avez évité de perdre les 30% de, de baisse qui ont suivi. Donc les divergences, ça vous permet vraiment euh, de capter des mouvements forts du marché. Je me répète, mais c'est euh, le signal le plus fort en analyse technique pour détecter un retournement de tendance, un renversement. Donc euh, je vous invite vraiment à le mettre en place. Euh, certes, ça peut constituer un investissement, euh, une dépense, mais il faut vraiment voir ça sur, sur le long terme. Ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Et euh, les clients... Euh, euh, le disent d'eux-mêmes, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Les pros l'utilisent, le recommandent. Donc euh, voilà, ça fonctionne. Donc euh, j'ai envie de vous dire, bah, faites-le fonctionner sur votre portefeuille également. Juste pour. Euh, parce qu'on arrive à la fin du, du webinaire, ça passe toujours très, 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 très vite. Euh, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez Wildata euh, qu'on tient un blog et que dans ce blog, on a tendance à vous donner des valeurs à, à le vendredi. Euh, donc on avait donné, j'ai sélectionné, alors je ne peux pas toutes les prendre bien évidemment parce que sinon on ferait un webinaire de, de 12 heures, euh, mais le 4 novembre, EDF vous a été donné. Donc on va se mettre sur EDF. Euh, EDF. Je vais le rechercher ici dans le moteur. Donc là, EDF sur la semaine ici. Euh, pourquoi je suis sur Sodexo Non, j'ai demandé EDF. Donc EDF, je vais enlever les, les, les chandeliers. Voilà. Ça sera plus clair. Donc, EDF a été donné ici. Je vais grossir un petit peu avec le zoom. La divergence. Donc, la divergence est bien tracée. On voit qu'elle a lieu sur le momentum que depuis la date de détection, le 4 novembre, on gagne 23,42 Donc, je pense que c'est très intéressant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là aussi. Donc, la divergence haussière a été détectée le 4 novembre 2019 par cet AT Expert, les divergences pro sur le momentum, on l'a vu ensemble, euh, derrière tout à l'heure, regardez les configurations en chandelier, on a ici deux doji euh, qui, ont été, euh, qui ont été détectés avec derrière un potentiel euh, de mouvement haussier qui a été confirmé et 23% de gains réalisés aujourd'hui. Au niveau du money management, bien évidemment, c'est trop tard pour rentrer maintenant, maintenant tous ceux qui sont rentrés dans cette zone, que vous soyez rentré le 4 novembre, le 5 novembre ou, ou un petit peu après euh, sur cette valeur, euh, il y a toujours du potentiel euh, sur, sur cette valeur. De toute façon, euh, on n'est euh, euh, toujours pas à l'objectif. On a un stop de protection qui nous protège. Il y a 23% de gains, donc euh, on ne va pas s'en priver. La deuxième valeur que j'ai sélectionnée, euh, c'est Technip. Alors Technip, alors là on était sur une période jour. La divergence a eu lieu encore une fois euh, ici sur le momentum. On va regarder sur les autres indicateurs. Sur la stochastique également simultanée. Et également, donc momentum et stochastique, on voit bien qu'elle est tracée ici. Donc une belle divergence haussière euh, qui a été détectée ici euh, le... Alors on l'a quand euh... Donc, ici, on a un signal qui a déjà été détecté le 22 octobre. Euh, et ici, ça a été également revalidé euh, sur une divergence. On doit avoir une autre divergence à un moment donné. Peut-être que le critère a été modifié. Mais en tout cas, depuis ici, la détection de la divergence le 22 octobre, il y a une très belle plus-value qui a été réalisée. Vous pouvez le constater de par vous-même. La troisième. Valeur qui a été détectée, c'est la valeur C'est la valeur euh, selectice alors lcls C -L S A L pour le memo C L j'ai l'impression d'avoir oublié une lettre Non c'est bon donc là, euh, divergence détectée le 15 octobre également. Euh, donc swing haussier. Euh, et la valeur est toujours en hausse. Et vous voyez ici qu'on a une belle divergence haussière. Donc pour ceux qui font du un peu plus long terme et qui sont restés sur cette valeur, pareil, un beau potentiel de, de hausse en perspective qui a été réalisé. Alors le A, c'est en fait, vous avez ici, vous voyez, la possibilité de faire. Euh, du, de rentrer les valeurs dans votre portefeuille, de faire du fictif pour voir ce que ça pourrait vous rapporter. Donc ici, on doit avoir... On va ouvrir un market analyzer. Ouvrir... Euh, on va prendre... Un market... Ah non, c'est pas ça, excusez-moi. Market analyzer. suivi de portefeuille. Et vous pouvez, si vous voulez faire de la simulation en fictif, faire un clic droit et faire de la simulation d'achat ou vente de titres. Donc c'est quand Wall Data a pu avoir un signal sur un webinaire ou sur une méthode. Donc là, on a eu les divergences. Ça a été confirmé, je pense, à première vue comme ça par la méthode HST, qui est une méthode de swing trading. Donc voilà, c'était une simulation de portefeuille. Donc là, on a un portefeuille avec des divergences qui avaient été détectées également. Donc sur Solvay, ici, euh, une belle divergence qui est détectée ici. Et ici, sur ABO, ici, une belle divergence aussi qui permet de gagner 22,94%. Donc sur une simulation de 100 titres, euh, voilà, vous avez ici les plus-values réalisées. Bien évidemment, vous pouvez travailler sur plusieurs market analyzers. Et vous pouvez travailler sur plusieurs graphiques. On peut très bien dupliquer le graphique des divergences. Donc là, on est en période de jour. On peut très bien avoir un onglet ici. Que je renomme par exemple en euh, euh, semaine. Euh, ou euh, une, oui, une semaine. Si je ne fais pas de faute, c'est mieux. OK. Et là, on peut très bien le paramétrer en semaine. Et comme ça, vous pouvez travailler sur plusieurs périodes de temps. Donc là, je l'ai fait sur deux, mais vous pouvez le faire sur autant d'unités de, de temps que vous le souhaitez. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Euh, donc, vous avez bien compris que les divergences, c'est une super méthode. Les divergences, ça permet de détecter les retournements de tendance à la hausse comme à la baisse. Le market analyzer est prêt à l'emploi euh, et préparamétré. Vous pouvez le modifier. On l'a vu au niveau du money management. On l'a vu au niveau du paramètre, des indicateurs et de la détection des signaux. Sur le graphique, vous avez la divergence qui est retracée à la hausse ou à la baisse, en vert pour les haussières, en rouge pour les baissières. Euh, vous avez également le retracement de Fibonacci qui est retracé enfin, qui est tracé automatiquement sur le graphique avec l'objectif. Tracé en bleu le stop glissant euh, que vous pouvez modifier bien évidemment ainsi que l'objectif tracé en rouge. Vous pouvez rajouter des assistants visuels et des colonnes dans le market analyzer euh, et vous avez vu que en travaillant en direct là sur les divergences les résultats sont là. Euh, si ça ne va pas dans le sens escompté bah tant pis on sort sur le stop de protection et on perd très peu donc on protège vraiment 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 son capital, le potentiel de hausse est plus important, on l'a vu ensemble avec des, des valeurs qui prennent 7, 8, euh, 3, 4, ça évolue euh, en fonction du timing sur lequel vous êtes, mais des beaux pourcentages, c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien, euh, qui satisfait euh, l'ensemble de nos utilisateurs qui l'utilisent au quotidien, que vous soyez un investisseur à long terme, on l'a vu, ça fonctionne, à court terme, ça fonctionne également, donc n'hésitez pas euh, à commencer par mettre en place le Wallmaster avec la méthode des divergences. Si ça n'est pas encore fait, pour ceux qui ont des questions dans l'utilisation, bien évidemment, euh, vous avez le soutien et l'aide euh, à tout moment de l'équipe euh, d'assistance de Wildata. Euh, je vous redonne le téléphone 01 58 71 21 99. Je vous invite également à, laquelle, à liker pardon, la page Facebook, à euh, vous abonner. Euh, à la chaîne Wall Data sur YouTube, où il y a pas mal de représentations en live, c'est assez sympa, à suivre nos webinaires comme vous l'avez fait aujourd'hui, j'espère que vous continuerez. Euh, et puis également, vous avez le blog Wall Data euh, qui est euh, alimenté euh, chaque semaine et sur lequel vous pouvez trouver des petites astuces, euh, des, euh, des petites recommandations euh, qui vous permettent d'être actif, tout en sachant que la meilleure façon de réussir aujourd'hui, c'est d'être équipé, d'avoir une méthode de travail et d'être rigoureux. Voilà, euh, on en a fini, ça a passé très 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 vite. Euh, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie également euh, pour votre réactivité parce que vous m'avez posé pas mal de questions euh, qui m'ont permis euh, euh, bah, de faire des liens, qui m'ont permis de rebondir également, qui m'ont permis de répéter certaines choses qui avaient, sur lesquelles j'étais peut-être passé trop, euh, trop rapidement. Euh, et puis euh, bah, j'espère avoir le plaisir euh, de vous retrouver. Euh, sur un prochain webinaire ou de vous avoir euh, au téléphone très prochainement. Euh, je vous souhaite à tous et je me soins et je me joins pardon, à l'ensemble de l'équipe Wallata pour vous souhaiter à tous une très belle euh, après-midi, une bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Au revoir.